Tu croyais réellement que j'allais arrêter YouTube? Non, c'est impossible, vous allez me manquer. Allez Frigide, balance-moi l'intro. Ok. La Mesita, bar à tapas, service de 18h à 2h du matin. Un lieu unique en plein centre-ville de Clermont-Ferrand. DJ Mix House à partir de 23h les jeudis, vendredis et samedis. Tapas maison et brunch tous les dimanches de 11h à 15h. Adresse 32 rue de l'Ange, 63 000 Clermont-Ferrand. Réservation au 04 73 35 02 05. Venez faire un tour dans leur site internet www.lamesita.fr. Sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Raison de plus pour un petit nettoyage. On te regarde. Essayez de suivre. Ah ouais. On t'a préparé une petite playlist pour te mettre dans l'ambiance. J'espère que t'aimeras. Ouais, t'inquiète. Je vais pirater mon téléphone. Bienvenue à tous, c'est Rules. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Watch Dog 2. 3 mois que je l'ai. 3 mois plus tard, je te le présente. Là, t'es en train de te dire, Rules, ta merde est complet. Ouais, je sais, ouais, non, mais j'avoue. Bienvenue à tous, c'est Rules. Coucou. Oui, de retour. Voilà, je me suis dit une petite vidéo normale, obligée, je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. La musique, attends, laisse-moi faire ça parce que, à mon avis, on va me la foutre dans le cul en mode. Rules, tu sais quoi? T'es plus en. Audio et langue. Voilà, sous-titres, ouais. Véhicule. Non. Oui, volume principal. Attends. Ah ouais, d'accord, ok. Donc la musique, tu sais quoi? Je vais te la couper. Parce que comme ça, voilà, là on est plus tranquille, tu vois. Au moins je vais pouvoir te présenter. Oh, quoique, attends, vas-y, laisse faire, tu sais quoi? Hein, laisse faire tonton. Il est là, voilà. On va se mettre quand même dans l'ambiance, c'est normal. Oh, j'ai un joli téléphone. Eh ouais, j'ai l'iPhone 8. Tu vois, je vais pirater. Mon téléphone, allez c'est parti. Ouais, ça a pas trop changé par rapport au Watch Dogs 1 que j'avais fait. Donc, ouais d'accord. Sprinter c'est R3. Ouais, ça on connaît. Donc là, comment je fais pour monter? Attends, monter R2. Pourquoi ils m'ont mis R2 maintenant? Ça a changé les commandes. R2, allez, on monte. On va pirater le DDoS, le CTOS. À couvert. Alors, appuyez sur croix pour vous déplacer entre deux abris. Appuyez rond ou utilisez L pour quitter l'abri. D'accord. T'inquiète. Je vais lui pirater son téléphone à lui. Moi, je pirate tout. Eh, attends, Rules, t'enflamme pas là, hein. Parce que moi, je suis en mode chaud patate. Ah, la caméra, voilà, attendez. Hein, on va pirater. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marcus est en train de se faire détecter. Ah bon? Attends, mais c'est que Marcus, c'est un tête de nœud, Marcus, tu vois. Marcus, il est con, tu vois. Voilà. Donc là, on va pouvoir utiliser la caméra. On va pouvoir voir ce qui se passe. Alors, on a un garde ici, tu vois. Voilà. Il s'appelle Didion Ethan, force de sécurité. Et ici, on a un autre garde. Voilà, lui. Hein. Il a des revenus de 92 900 dollars. Putain, il se blinde les... Putain, 104 000, le mec. T'sais. Ouais, laisse tomber. Le mec, il regarde les revenus, il s'en bat les couilles du reste. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je sais pas. Je cherche pas, hein. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Donc, on va essayer de se la jouer en mode The Watchdog. Alors, quand je m'approche, là... Ah ouais, attends. Corps à corps. Voilà, ça, c'est du propre. Dégage. Mon Dieu, ce qu'il a morflé. Lui, il a pris cher.
Ouais, ce qu'il a pris, lui. Attends, on redescend par où? Parce qu'en fait... Ah, d'accord, ok, je peux redescendre par là. D'accord, ok, bah moi je vais passer par là, tu sais quoi? Hein? Allez, c'est parti. Et playlist de merde, elle m'a mis l'autre. Je sais pas, t'aurais pas mieux mettre un truc qui bouge? Parce que là, je suis pas trop dans le truc là. Ah, il y a une autre caméra, attendez, on va... Voilà, bah on va se servir des caméras, c'est normal, non? Oh, je pirate. Attends, je suis un hacker professionnel, moi. Je sais même pas si je pourrais hacker quelque chose, moi, dans la vie, tiens. Hein. Allez, bim. Ah, j'adore. Non, mais j'adore. Ouais, il est pas mal le jeu pour le moment, là, hein. Ça se passe bien. Là, je vais me le faire, lui aussi. Alors, je joue en mode normal. Oui, commence pas à me dire. Ouais, Rules, t'aurais pu mettre la difficulté un peu plus quand même, hein, histoire d'avoir un peu plus de suspense. Ouais, je sais, ouais. Mais tu sais quoi, je te le présente déjà, Watch Dog. Alors commence pas à en faire des. Commence pas à râler dans l'espace commentaire, non? Ou t'aurais préféré que je disparaisse de YouTube, que tu me voyais plus dans le radar? Non. Vous m'avez trop réclamé. Vous demandez Rules. Rules est partout. Rules doit être partout de toute façon. Ouais, c'est ta sœur qui a fait du bruit là-bas. Tiens, ta gueule. Laisse-moi faire. Et je peux pas les fouiller, les mecs? Non? L2 pour viser? Ah, d'accord, ok, mais j'ai un flingue! Mais c'est bon ça! Attends, je vais pirater le City West. Attends, il faut que je passe par où moi? Il faut peut-être que je passe par là, non? Tu vois? Parce que c'est bizarre, ils me disent d'aller là, là. Ah oui, d'accord, ok. Il y a des escaliers. D'accord, ok. Ah d'accord, ok. Bon, je vais pirater le City. Alors, hein? Maintenez L1 pour examiner les objets. Appuyez sur R3 pour remonter le flux de données jusqu'au terminal pare-feu. Oula, attends, là. Freestyle aux rules là. Voilà, reviens à la normale. Hein, désactiver le pare-feu. Attends. Alors, faut que je fasse ça. R3, triangle. Pare-feu sécurisé. Pirater pour ouvrir. Attends. Non, mais rules. Ah putain, ça y est. Ah ouais, voilà. Attendez. Ah ouais, mais attendez, faut que je pirate là-haut en fait. D'accord, ok, t'inquiète, je vais y aller. Monte! Voilà. Bordel. Ah mais en fait c'est tout con, il faut que je pirate là alors. D'accord. Allez. On déverrouille le bordel. T'avais qu'un téléphone, le mec il fait tout quoi. Imagine. Tu ferais ça dans la vraie vie. Putain mais moi je m'amuserais à pirater tout le monde quoi. C'est un truc de fou. Ah ouais mais moi j'adore ça. Moi pirater ça serait hacker, ça serait un truc de que je kifferais faire quoi. D'ailleurs s'il y en a qui veulent m'initier, y a pas de souci. Maintenant, on vit que avec ça, maintenant, dans ce monde. Que avec le hacking. Porte sécurisée, piratée pour ouvrir. Ouais, je pirate comment? Attends. Tac, ok. Tac, ok. Tac, ok. Il est en train de le pirater. Ah, mais ah, d'accord, ok, je suis en train de le pirater en fait. J'avais pas vu la jauge en fait. Vous voyez, il y a une jauge autour du triangle. Voilà, là, 3, 2, 1, Rules, tu l'as piraté. Ouvre la porte. L1. Voilà, ça c'est du propre. C'est parti. Ça sert à rien, je te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème? Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est. Il est entré. Quoi, déjà? Il répond pas, je sais pas. Non, aucune idée. Non, non, non. C'est un synonyme, ça. Je veux une vraie réponse. Oh, c'est pas mon truc, les extraterrestres. Hey, les jeux vidéo non plus. C'est pas n'importe quel alien, c'est... Quelqu'un d'autre a un problème? Oh, oh non, pas ça! Du Home Domain Awareness? Ce rétro-là? Ouais, on te l'a déjà dit en plus. Ouais, mais j'écoute jamais, moi. Putain, j'en reviens pas. Eh ouais, mec, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis juste là pour te faire la fête. Attends, hein, laisse-moi passer. Aïe, je me suis pris un casier.
Ouais, on pirate. Allez, on est à fond. De quoi déverrouiller? Trouver la clé d'accès. D'accord, ok. R3 pour activer. D'accord, ok. Ça va me permettre de trouver l'accès, ça, en fait. Alors, où est la clèche? La clèche est par ici. Donc, normalement, c'est ça que je dois pirater. Donc, attends. Parce que là, ça commence à devenir n'importe nawak. Il faut que je passe par où, moi? Hein? Je vais peut-être pirater une caméra, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non? Attends. Je peux pas passer par là? Eh, les gars, j'arrive. Attendez. On peut passer par là, je pense, à mon avis. Fais voir. Non, je vais quand même pas... Je vais quand même pas m'amuser à pirater non plus la cafette, hein. Ça sert à rien du tout. Caméra. Bim, voilà. Ah oui, d'une caméra, normalement, je peux passer d'une autre caméra. C'est ça, je crois. Non? Ah non, même pas, penses-tu? Bon, bah en fait, il faut que je revienne. C'est ça, hein, je crois. Hein. Non? Attends. Rules, monte là-haut. Vas-y, Rules. Attends, comment ça se fait que je peux plus, là? C'est quoi ce bordel? Attends. Caméra. Ok, je pirate la caméra. D'une caméra à l'autre caméra. Tac. Voilà. De cette caméra, je vais passer à cette caméra, je crois. Hein, c'est ça? Non? Voilà. Et de là, voilà. Et là, je vais pirater le bordel. En fait, je peux tout faire à distance. Je sais même pas si ça marche, en fait, là, ce que je suis en train de te faire. Ah, d'accord, il fallait que j'appuie sur croix. Bah, c'est bon. Hein, on peut revenir en arrière. Voilà, j'ai fait mon taf, moi. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir passer par là-bas. Voilà, sans me faire niquer. Et il peut pas marcher correctement. Ah, t'es un bonhomme, t'es un bonhomme, t'es un bonhomme. J'aime. Ouais, bah vas-y, c'est bon. Et oh, je peux passer. Voilà. Ah, quand je te dis que je suis un bon... Oh putain, j'ai reçu un MS. Ça doit être ma femme. Elle doit dire, qu'est-ce que tu fous? Rentre vite à la maison. Arrête de faire le con. T'inquiète, chérie. Je gère. C'est pour notre bien qu'on fait ça, tu sais. Attends, mais faut que je passe par où, là? Je comprends rien. Attends, on va passer par là, tiens. Allez, vas-y. Oh, coucou. C'est quoi son histoire? Ah ouais, mais... On dit à Auckland, mais il est né à... Il est né au Portugal. Alors, on s'est dit qu'on allait tester. En difficulté maximale, jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CityOS. Je veux voir s'il est malin. T'es-tu? Ou les deux? Tiens, prends ça. Lui, je vais le ken. Je vais me le faire. Putain, j'arrête pas de recevoir des SMS. Je vous jure que c'est ma femme. De dire, bébé, qu'est-ce que tu fais? Rentre vite à la maison. Attends, je pirate mon téléphone et je reviens. Ah putain, il est là. Oh bordel, attends. Hein? On va pas s'exciter comme ça. On va pas s'exciter les between. Voilà, voilà. Là, tu vois, il a une petite tasse de café à la main, non? Non, non, même pas. Voilà. Moi, j'adore le corps à corps. Bim, faut pas me chercher. Bon, une bonne chose de faite. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne, en fait, c'est ça? Hein, je vais quand même faire le tour, voir s'il n'y a pas un con qui se trimballe dans le coin. Je pense pas, à mon avis, il va falloir que je passe par là, moi. Voilà. Allez. Y a-t-il du monde par ici? Eh ben, dis donc, moi, je m'attendais au niveau garde qui est du people, il n'y a personne. Vous allez... Ok, ok. Ouais, vas-y. Mets-toi à couvert. Je vais te niquer. Oh bordel. Oh, il a pris un coup de taser, le mec, quoi. Ah, oh, je suis en train de mourir déjà, je crois. Ah putain, il y en a un autre là-bas. Ah, ouais, je t'avais vu, du calme. Putain merde, j'ai été grillé, quoi. Je voulais faire ça en silence. Putain, je suis payé pour ça, moi, normalement. Je suis un hacker professionnel. Non, penses-tu? Je suis une grosse bouse, en fait. Attends. Je vais le contourner, ouais, vas-y, contourne-moi. Tiens, prends ça dans ta gueule. Allez, hop là, ça dégage. Lui, il est monté, lui. Lui. Ouais, mais non, reviens. Ouais, il s'est barré en courant, le mec. Ouais, attends, il va redescendre. Ouais, tu crois qu'il était dans le coin. Ouais, c'est bon.
Tiens, elle est là. Ah non, mais en fait, il y en a un, il fait dodo là-bas. Regardez, les amis. Lui, il fait dodo, lui. Ah, je vais lui ramasser son pognon en même temps. Ouais, c'est vrai que je peux même tuer du pognon. C'est pas mal, ça. Attendez, hein. Vous permettez, je pirate. J'en ai pas pour longtemps. Il a déjà fait ça, on dirait. Le CTOS l'a défini comme suspect principal dans un cambriolage high-tech, alors. Il a été en cabane. D'accord. Des travaux d'intérêt général. La seule preuve qu'ils avaient, c'est les algorithmes prédictifs du CTOS. Mais une fois dans l'engrenage... Toujours surveillé. Wow. Voilà. Il a tenté le coup. Il aura pas beaucoup de temps. Ben ouais, qu'est-ce que tu crois? T'inquiète, hein. Je sais qu'il y en a un garde là ici, tu vois. J'en ai pas pour longtemps. Je vais juste courir derrière lui, tu vois, au calme. Oh putain, bordel. Il sort. Ah oui, il sort. Ah putain, j'en ai un deuxième là. Ah non, mais le deuxième, il est en bas. Attends, mais moi, il faut que je monte, moi. Ouais, faut que je monte. Je sais pas si je me le fais, celui d'en bas, là. Franchement, j'ai envie de me le faire, lui. Oh, putain. Oh, bordel. Il est descendu. Ah oui, il est descendu, il est con, lui. Tout est bon ici, je passe à la zone suivante. Ouais, vas-y. Passe à la zone suivante. Attendez, moi, ce que je vais faire, voilà, je vais continuer à monter, hein. Je crois que c'est bien le meilleur truc à faire. Voilà. Je sais que les gardes me cherchent en bas. Mais bon, je m'en moque. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre. Attendez, je monte. Voilà. Ah, bah voilà, on est bien Tintin là. Hein. Attends. Ah, Rules, sors d'ici tout de suite. Casse-toi. Il va dans le four là. Près de 50 degrés à l'intérieur de ce four. Alors là, respect. Il a peur de rien. Personne n'y est jamais arrivé. Putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. Hein ? Elle est folle, elle. Ouais, bref, il faudra que je redescende. Alors, je sais que j'ai pas de garde ici. Je sais que j'ai un garde ici. Attendez, parce qu'il faut que j'aille où, moi, d'un coup, là. Eh, c'est quand même, hein ? Cric-crac, quand même, hein. Je peux vous le dire, les amis. Il y en a un là, tu vois. Voilà, là je passe au calme. Oh mais sérieux, c'est des boulets les mecs quoi. Voilà. Allez, on fait ça les gars et on se casse. Montez. Montez où? Bordel, ils me disent de monter. Ils me demandent de monter, mais pourquoi il faut que je monte? Il faut que j'aille où? Ah, ça doit être là le coin des serveurs, je pense. Attendez, je vais quand même me planquer. Aïe, 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 mamma mia. Contourner. Voilà. Je peux pas sauter? Non, si, je peux sauter. Attends, R2 rules pour sauter. Voilà. Ah. Je peux vous jurer que si, pour moi, ma vocation, un truc que j'aurais aimé faire, c'est bien ça, tiens. Maintenant, on vit que avec Internet, c'est impressionnant. Et détruire un monde, maintenant, c'est devenu encore plus simple qu'avant. Con à dire, mais c'est vrai en plus, l'ami. Voilà, bon, lui, je l'ai ken. Donc, c'est une bonne chose pour moi.
Le seul problème, c'est que si je sors d'ici, je vais avoir un garde là. Voilà. Donc normalement, je suis bien, moi. Je n'ai plus qu'un... Pourquoi... Attendez, pourquoi ils me disent de monter? C'est ça que je comprends pas. Ils me demandent de monter. Mais ouais, mais t'es bien, toi. Mais maintenez L1 pour examiner les objets. Terminez les passerelles réseau. Attends. Voilà, L1. Ah, d'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Accéder au réseau. Il fait quoi là? Ça se passe comment? Pirater terminal pour afficher le nœud de passerelle réseau. Appuyez R1 et faites pivoter les nœuds. Attendez, pirater, rediriger. D'accord, ok. Attends, fais voir ce qu'ils me disent là. J'ai vu un petit truc là. Monter. Pourquoi ils me disent de monter? Je vais pas monter moi. Qu'est-ce que je m'en fous de monter? C'est que j'ai dû pas terminer à mon avis ma mission, je crois, il me semble. Hein? C'est ça, hein? Il me semble que c'est ça, hein? Ah, mais d'accord, c'est les nœuds, là. D'accord, ok, j'ai compris. Tac, 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 voilà. Ah, mais les nœuds sont au sol, maintenant. Ah, ça a beaucoup changé. Oh là là. Bon, bah, c'est bon, Tintin. Hein? Bon, j'ai plus qu'à à péter le cadenas, alors, maintenant. Voilà. Là, un petit coup de triangle. Et c'est bon. Putain, pourquoi mon niveau de menace est aussi élevé? C'est quoi ces conneries? Ou alors, j'ai qu'à... Créer un nouveau profil. Ah ouais, en fait, je peux choisir des visages. Attendez. Start-up en famille, en faillite. Ah non, non, non. First impression. Passeur de drogue. Ah, ça me va bien, ça. Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Bloom. On n'en a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yep. Déclencher la fonction de l'objet. Placer un capteur à proximité. Désactiver la fonction de l'objet pendant quelques secondes. Attirer les PNJ vers l'objet. D'accord, ok, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Voilà. Ah mais d'accord, ok, c'est fait électrocuter le mec. D'accord, ok, pas de soucis. En fait, il y a trop de gardes d'un coup, les gars. Où qu'ils sont? Je me suis mis à couvert, ok. Mais où qu'ils sont? A votre avis, je peux y aller? J'ai peur qu'il y ait un autre garde, là, dans le coin, là. Tu vois? J'y vais, allez. Soyons fous. Alors, je vais essayer de sortir de l'autre côté, moi. Je pense que c'est le meilleur moyen pour y sortir. Ouais, pour pas se faire repérer, surtout, ouais. Penses-tu? Bon, allez, on y va.
Alors, il faut que je redescende là. Ouais, c'est ça. Il faut que je redescende. Alors, là, ça va corser encore la tâche. Parce qu'en fait, il faut que j'essaye de sortir dans une discrétion totale, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, sans que je croise un keuf. Ça serait le top, ça. Là, on est bien pour le moment. Hein. Ouais, ils sont montés, c'est bon pour moi, ça. Faut que je redescende. Je peux redescendre. Ah, bordel! Ah, je me suis fait niquer, je crois. Ah, je me suis fait niquer. Je me suis fait repérer, les amis. Renfort appelé. Voyez. Ouais, je suis juste blessé. T'inquiète pas, toi, tu vas juste dormir. Ouais, j'ai géré, là. Ah mais je me fais bombarder. Ah, je me suis fait tirer dans tous les sens. Je m'étais fait repérer. Crotte. Tendu pour moi. Je voulais faire je voulais être dans la discrétion. Mais le problème c'est que j'ai pas vu le garde en dessous. Ça m'a causé problème. Mais t'inquiète pas, on va s'en sortir. Attends, déjà je vais attirer ça là. Voilà. Donc, L1, voilà, hein, vous avez tous compris, rond, merde, carré, voilà. Là, on va essayer de l'attirer, le bonhomme. Voilà. Bon, du coup, je vais ressortir, attends, tu sais quoi, je vais lui prendre son pognon quand même, ça peut servir, hein. Voilà, bon, il n'y a rien à récupérer, en fait, il est en train de dormir, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de, voilà, on va essayer de passer par là. Parce que par là on était bien, tu vois. Là on voit tout d'ici. On voit où ils sont. Regardez, ils sont tous en bas, tu vois. Ah, ça me va mieux, moi, ça, comme ça. Ah, mais et, laisse tomber. Ils sont 400 en bas. C'est impressionnant. Ils sont trop nombreux en bas. Ah, là, là, je crois que là, c'est bon. Là, ils sont tous descendus. Donc moi, je vais descendre aussi. Ils remontent. Ah oui, ils remontent. Ah, il remonte. Ah, bordel. Voilà. Donc là, il est où, lui? Il y en a un, là. Vous avez vu? Regardez. Ouais, sors les mains en l'air. Donc lui... Vous savez quoi, je vais essayer de faire propre, forcément, hein, je vais pas y aller comme un bourrin non plus. Voilà, lui il a pas le temps d'intervenir, nickel, ça c'est fait, et de 1. Ouvre la porte, Rolls. Donc là où je dois faire le plus attention, c'est quand les gardes... Les gardes ils montent je crois là, non? Il me semble qu'ils montent, non? Ah ouais, mais attendez, je peux directement sauter, je suis trop con, moi, en fait. En fait, je peux directement sauter. Ah, il y en a un là. Vous voyez. Ouais, bien, il y en a un là. Regardez-le. Voilà, il va voir son pote par terre, il va se dire, wow, c'est quoi ce bordel? Voilà, en fait, je suis en train de te faire un cimetière dans ce coin-là, là, tu vois. Voilà. Alors... On va ressortir à nouveau, nous. Là, là j'en ai déglingué pas mal déjà. Je suis bien là, tata. Hein? Là, on est bien. Ah, merde. Bim, pleine tête, dégage. Laisse-moi tranquille. Putain, je me suis fait niquer.
Je vais le contourner quand même, tu vois. En même temps, je vais lui prendre son pognon. Où qu'il est passé? Voilà. Alors là, pour le moment, tout se passe bien, tu vois. Là, je suis bien, là. Là, tu vois, je vais m'effacer un peu. Parce que le garde, là-bas, il se dit... Oula, il est où? Où qu'il est? Je vais contourner une deuxième fois, quand même. Regardez. Non, lui, c'est le dernier, lui. Lui, si je l'élimine, c'est bon. T'as rien du tout, mon gars. Ouais. Tiens. Voilà. Bon. Alors là, maintenant, on est bien, là. Là, j'ai plus qu'à redescendre. C'est simple. Y'a rien de compliqué. Donc, je vais redescendre au niveau 0. Normalement, je suis descendu au niveau 0. Hein. Ouais, je peux redescendre. Voilà. Là aussi, encore une fois. Donc là, y'a plus de garde, normalement. Je suis plus recherché, en plus. C'est pas mal, ça. Ah ouais, 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 mais je suis monté haut, moi. Faut que je continue à descendre, ça se passe comment? Ouais, faut que je continue à descendre encore. Hein. Il me reste encore un étage. Voilà. Là, faut que je me taille maintenant. J'ai plus rien à faire ici. J'ai piraté mon téléphone. Maintenant, on se casse. Faut que j'aille où? Rules, faut que t'ailles où? Parce que, ok, t'es ici, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fous ici? Attends, y'a pas des conduits, c'est glauque. Ah oui, voilà, d'accord, ok. J'avais pas fait attention. Qu'il fallait que je sorte par là. Là, y'a pas de garde normalement, y'a aucun garde ici, normalement je suis tranquille. Voilà, la porte de sortie. C'est bon, je bouge pas. Ok. Dans ton cul, Bloom. En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de points de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourrait être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise. Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger? Ou les derniers défenseurs de la liberté? Les derniers défenseurs de la liberté. Alors? Je suis pris? Bienvenue chez DeadSec.
Moi, c'est Citara. Le petit jeune, c'est Josh. Nom de code, Hot Sauce. Mec, c'est toi, Hot Sauce ? Sérieux, tu m'as fait kiffer avec ton piratage de la fac. Merci. Lui, avec le masque, c'est Wrench. Live long and prosper. Et le beau gosse, là, c'est Horatio. Bien ou quoi ? Salut, mon frère. Alors, c'est ça, la team. Vous en avez mis du temps à venir me chercher. Vous avez vu ce que fait Bloom. Le CityOS fait pas que réguler les infrastructures. La quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe quoi. C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein ? Ils voient tout ce que tu fais et ils te dénoncent. Merci, Josh. Alors, on fait quoi ? On peut l'exploser, ils foutent le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance... Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement? Ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment... Bon, vous savez quoi? On va les baiser! On est des putains de hackers! On a le cerveau, on a les balls! Faut qu'on dise la vérité aux gens, il faut qu'on leur montre ce que... Ce que fait Bloom, quoi. Il faut leur montrer que leurs données personnelles sont utilisées pour détruire leur liberté, putain. Merde! J'ai installé une backdoor, du coup, on n'a plus qu'à rentrer. Attends. T'as quoi ? Il a installé une backdoor. Du coup, on n'a plus qu'à entrer. Tout juste. Excusez-moi. Vous avez l'heure ? C'est bon, ça. Il est quand même un peu tard pour courir, non ? Tu fais quoi ? T'essaies d'échapper aux flics, c'est ça ? Peut-être que j'en suis, hein. Eh, hey, mais... Je t'ai déjà vu quelque part, non ? Amusez-vous bien. Essayez de traquer ça ! Dans ton cul, Bloom ! C'est l'heure de la vengeance, ma gueule. Oh, complètement déchiré, il a même balancé, je crois, son téléphone dans l'eau. Rien à foutre, le type. Hacker professionnel, il rachète un téléphone, il pirate le sien, c'est reparti pour un tour. C'est quand même incroyable ce que disent dans les jeux vidéo, c'est vraiment réalité, votre vie privée est prise dans les serveurs de Internet. Et vous êtes surveillé H24. Allô, il est à qui ce téléphone ? Ben maintenant, il est à toi. Le mien à moi, il est où ? Dans l'océan, c'est là que tu l'as acheté, je crois. Enfin, je me rappelle plus, j'étais bien défoncé. On se retrouve à Hacker Space ? Où ça ? Regarde dans tes photos, tu devrais trouver. Bon, allez, réveille-toi. Mais je suis qui là ? Waouh, les amis. Watch Dog 2, bienvenue à tous. C'est bientôt la fin de cette vidéo. Alors n'oublie pas de laisser un like, un commentaire. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube, Rules Gamer, et tu es la bienvenue dans ma chaîne. Laisse un commentaire, n'hésite vraiment pas. Wow, quel beau temps, wouh! Il fait beau dans Watch Dogs. Et là, tout de suite, tu vois,
je vais te dire un truc. Merde. Je vais te dire que... Ouais, t'étais torché, mec. Ah, c'est rien de le dire, mon ami. Va t'acheter des fringues, je te dirai où aller après. Ah, et tu vas avoir besoin de ton téléphone pour la suite des opérations. Alors pense à télécharger toutes les applis utiles avant de venir. Putain, je me tape la honte dès le premier jour. Et ouais, mec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On était sur Watch Dogs 2, je vous l'ai enfin présenté. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne YouTube Rules Gamer. On se retrouve quant à nous pour d'autres vidéos en mode gaming. Je vous embrasse. Mouah.